Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 4 sur Fables The Lost Chapters. Chapters en S avec mon magnifique accent anglais. Alors, après avoir été tué plusieurs fois par des petits Hobbs et avoir humilié Whisper dans la dernière mission, la dernière quête, nous allons maintenant essayer de sauver les marchands et les escorter jusqu'à la prochaine étape. Traverser Darkwood. Darkwood, le bois des ténèbres, vous avez bien compris. C'est un petit bois bien sympathique où il y a quelques petits monstres qui peuvent faire chier son monde. Enfin, vous voilà! C'est moi. Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit. Vous auriez pu. Nous devons nous rendre à Barrowfields, à l'autre bout de Darkwood. Bon, Barrowfields, presque au Val. Nous suivons de près. Plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt, mieux ce sera. Des choses pas naturelles y rôdent. Tant que ça existe, c'est naturel, hein. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû éventuellement dans Darkwood, augmenter mes capacités avant d'y aller. Mais bon. C'est pas grave, on va faire comme ça. Nourriture, poisson et viande rouge. Ouais, parce que là, j'ai pas grand-chose. Je vais finir par... avoir des problèmes. Autre potion. J'ai 5 potions de santé aussi. Bon, on va commencer par boire. Et après, on mangera les petites potions de santé. Enfin, on boira plutôt. Ça me paraît plus correct. Hop. Arrêté. Début. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Et là, ça commence. Ah ouais, il y a lui là. Quelque chose m'a mordu et laissé pour mort. Vous pouvez m'emmener ? Non. On ne peut pas le laisser nous suivre. Il est infecté. Il nous mangera avant qu'on s'en rende compte. Oui. Nous avons prêté le serment des marchands. Il faut l'aider. Serment des marchands, mon c'est cul. C'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Ça va devenir une putain de balladine. Je paye bien et je ne vous causerai pas d'ennui. Tu payes ? Comment ça tu payes ? Mais c'est non. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je ne passerai pas la nuit. Tu passeras pas la nuit de toute façon, le gars. Mon gars. Donc ça sert à rien. Je suis derrière vous. Ça sert à rien qu'on t'emmène avec nous. Dans tous les cas, tu vas crever. C'est ça, la vie marchande. C'est pas de rester debout près d'un étal. Je n'en suis pas si sûr. On y va ? Ouais, c'est la vie de marchand un peu ambulant. Marchand un peu aventurier, quoi. Hein. J'aime bien. Ah, une feuille de résurrection. Parfait. J'en ai deux. Bon, peut-être que je vais m'en sortir du coup, après ça. Mais ça reste à voir, hein, parce que, bon... Je vous le cache pas, ça va être un peu compliqué, cette affaire. Remarque, c'est peut-être plus simple de s'attaquer à un truc qu'à plusieurs en même temps, quoi. Même si c'est une balverine. Salut gros, ça comme tu veux. J'ai un mauvais pressentiment, viens, là. Viens, t'es où, t'es où? Ah, t'es là. Hop, hop, et voilà, parfait. Excellent. J'aime beaucoup. Allez, hop. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas apparaître? Petite. Petite. Hop là. Et voilà, excellent. Et voilà, goodbye. Ouais, bravo. C'est pas si dur en fait. Seuls les plus aguerris, mes gardiens, peuvent mettre à l'épreuve votre aptitude au combat, c'est l'épreuve. Et... Ok, est-ce qu'on essaye ou pas? C'est peut-être là le truc avec les Hobbs. Est-ce qu'on essaye ou pas? On est des fous? Je vois. Allez, que tu on est des fous. Prêt pour les gardiens. Et voilà, des petits Hobbs partout. On aime les Hobbs ou pas? Wow, wow. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Non, non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Oui, j'ai des trucs. J'ai des trucs. C'est bon, c'est bon. Quoi? Mais non! J'ai touché. Aïe, c'est lui qu'il fallait. Je peux pas reparer normalement, éventuellement, dans ma vie. Ça pourrait peut-être m'être utile aussi. Éventuellement. Wow! Passez devant. Y'en a plein! Y'en a plein! Voilà, voilà, voilà! Je sais, je viens d'utiliser un. Putain de. Putain de merde! Allez hop, on mange de la viande, on va y arriver. Ils sont intuables! Putain, ils sont intuables! Sérieux, c'est une blague!
Vas-y, viens, salaud. Je préfère me mettre de ce côté, comme ça j'aurai pas l'autre sur le dos. Hein. Hop, voilà, multiplicateur de combat x6. On y arrive au fur et à mesure. Voilà, j'ai... Oh, des mages. On adore les mages, hein, n'est-ce pas? Je crois que j'ai mangé presque tous mes poissons. Cassez-vous, cassez-vous, bordel de merde. Je suis avec vous. Allez. Ça va, tu te calmes, oui? Je crois quoi, que c'est la fête ou quoi? On y va? Il m'aura pas, salaud. Salaud, non, on n'y va pas. Pour l'instant, je dois finir cette quête et récupérer ce qu'il y a dans cette putain de porte démoniaque. Oh là. Oh là. Salut les gars, ça va comme vous voulez. Hop. Ah. Putain. Oui, je sais, je sais. On va manger de la viande un peu. Ah. Mais pourquoi il tue mes marchands là? Ah bah non, mais non. Bah non. Bah non, bah non. Alors ça doit être moi. Eh merde. Je voulais pas ça. Normalement, il est censé me viser que moi là. Bon, bah, je vais perdre une mission. Ça fait chier. Ils auraient pas pu se mettre ailleurs en même temps, je veux dire, c'est débile, tu vois. Les mecs, ils restent là, ils voient qu'il y a des hausses partout, mais non, ils décident de rester là et de prendre sa chair, sa race. C'est pas ridicule, ça, peut-être. Bon, bah, du coup, j'ai perdu mon truc de renom, je pense pas. Aïe! Putain, c'est moi tranquille. Je crois que je vais finir par y arriver à les tuer là. Ils sont invincibles ces gars là. Supportable. Allez, on va faire un par un, comme ça. Voilà. Merde. J'ai complètement raté mon coup. C'est pas grave. Aïe! Aïe! Non, je veux pas mourir. Je ne mourrai pas une seconde fois. Avez-vous des potions, des vivres? La prochaine! Allez, et dis-moi que c'est le dernier, après il n'y en a plus. Please. Tu as éliminé oh, nice. Le gardien. Je suis foutu. Youpi. Vas-y, passe. Ah, merci. Bon alors, qu'est-ce que tu vas me donner? J'espère que ça en vaut le coup. Hein. J'espère que ça en vaut la peine, comme on dit. Sinon... Bah sinon je suis deg. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire en fait. Juste deg. Bon du coup j'ai perdu une phase de résurrection, pour ces bêtises. Un coffre. Qu'y a-t-il dans ce coffre? On se le demande. Des bottes noires de volonté, des gants noirs de volonté, une haute tenue noire de volonté. Ok, tout un truc de volonté alors que j'utilise une hache comme un guerrier. Eh ben écoute, pourquoi pas, de toute façon on va tout mettre. Ça me protégera sûrement plus que ce que j'ai déjà. Effroi plus 50. Noir de la volonté. Mais tenue noire de la volonté avec une capuche. Non, y'a pas. Okay. Hey, salut! Bon, du coup, faisons cette mission principale. C'est pour ça qu'on était parti au départ. Bon, j'ai déjà perdu mon marchand. Donc, la quête, elle est perdue. Enfin, l'esbrouf est perdu déjà. J'aurais pu ne pas le perdre si jamais, éventuellement. Essayez d'augmenter pas décidé, votre multiplicateur de combat. Hop. Attention, quoi? Héros, ces spores sont dangereuses. Oui, ben je sais. C'est bien pour la ça que je les attaque fois, d'ici. Tu voyages avec une caravane ou pas du tout? Ouais, fais donc ça. Je me fais perdre mon temps pour des quêtes inutiles. Ah merde, déjà. Mais recule, tu vois pas que ça va exploser là. Vous d'abord. Hop. Oui, moi d'abord. Ça, on a compris. Allez, hop, on y va. Cours. Je ne crois pas qu'il hop là, voilà, parfait. Juste me libérer un chemin histoire de pouvoir passer sans forcément perdre trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va... Le camp est juste après la porte. Qu'est-ce qu'on va détruire cette fois? Enfin, tuer. Qui est-ce qu'on va tuer cette fois? Oh là là. Il a dit ta gueule là ou c'est moi? Qu'est-ce que tu fais? Non mais ça c'est mon marchand ça, vous attaquez pas mon marchand. Il est où ce con? C'est barré ça là? Aïe! Salaud! D'où tu te prends pour qui là? T'as cru quoi? Que c'était la fête ou quoi?
C'est bon, tu peux revenir. Mais il est mort ? Mais non, il y avait des... Oh, ils sont réussis à passer. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Olé. Putain, mais ça va, oui, oh. Je viens de réapparaître, là. Calme. Me dis pas que je dois recommencer la mission depuis le début. Et si. Excusez-moi, les gars. C'est juste que je veux tuer lui avant. Aïe, je l'ai vu, hein. J'ai vu qu'il essaie de m'attaquer. Normalement, le mieux, je pense, c'est de changer d'attaquant à chaque fois. Hein. Bon, bah, du coup, je vais récupérer mes deux marchands. Peut-être que je vais pouvoir... Peut-être que je vais tout simplement pouvoir les sauver tous les deux, hein. Même si j'ai pas l'impression d'y arriver beaucoup. Mais enfin, vous êtes perdus, voilà. On sait. Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit. Mais non, vous pouvez avoir nous confiance en moi. Nous devons nous rendre à l'autre bout de Darkwood. Ouvrez le chemin, nous suivons de près. Ok. Plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt, mieux ce sera. Ça va, ça va. Pas naturel d'y rôde. J'arrive. Bon. Écoutez, les gars. Dans Darkwood, vous trouverez la chapelle de Skorn. Plaisez aux divinités et elles insuffleront le mal dans votre âme. Cool. Chapelle de Skorn. Ah, quelque chose m'a mordu et laissé pour mort. Vous pouvez m'emmener ? On ne peut pas le laisser nous suivre. Il est infecté. Il nous mangera avant qu'on s'en rende compte. Exactement. Nous avons prêté le serment des marchands. Il faut l'aider. Il faut c'est l'aider. Pas une bonne idée. Mon cul, c'est vraiment du poulet. Pas une bonne idée. Non mais sérieux. Je paye bien et je ne vous causerai pas d'ennui. Mais si, moi je connais, moi je sais. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Ou je ne passerai pas la nuit. Et ouais. Tristesse infâme, inonde ton âme. J'arrive. Ah. Votre santé est faible. Mon santé est faible. Des potions, des oui, j'ai des potions, bien sûr j'ai des potions. Qu'est-ce que tu crois, gros? Je suis un mec à potion, moi, comme ça. Ok, donc comme tout à l'heure, on récupère notre fiole de résurrection. Et on y va. Et du coup, c'est bien sympa tout ça, les trucs d'apprenti et tout, mais c'est pour la volonté. Truc de volonté. Du coup, on va peut-être pas faire ça tout de suite maintenant. Hein. Viens là, bitch. Allez où? Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Tu meurs. Pourquoi vous restez en plein milieu comme ça alors que je suis en train de me battre avec une Wolverine? Vous pouvez me le dire vous? Vous pouvez me le dire vous parce que moi je sais pas là, j'hésite. Voilà, très bien. Bon bah on se casse, on va pas faire ça tout de suite. De toute façon, c'est pas grave, on en a pas besoin. Allons-y. Et tuons ces sports. C'est ça la vie marchande. C'est pas très simple. Faites un détail. Je n'en suis pas très sûr. Ces sports sont dangereuses. N'en prochez pas. Et ah. C'est une blague. Ah, tu es lui aussi. Et voilà, maintenant on peut passer ça. Je vous le dis. Je suis pas devenu un marchand pour être dévoré par des Wolverines. Et non, et c'est pour ça que je suis là. Maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être te plaindre et crier comme une putain de femmelette et juste me laisser faire mon job, s'il te plaît. Ah mais il y en avait là, ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Non mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'es pris pour qui là? Jamais, jamais. Tu attaques mes marchands là. Tu crois quoi? C'est mes petits protégés. C'est eux qui me donnent des thunes, ok? Alors tu les laisses tranquille. C'est pour ça qu'ils sont morts là, j'avais pas vu qu'il y en avait qui étaient là, putain. Beaucoup trop nul. Mais c'est pas grave. Maintenant on le sait au moins. C'est déjà ça. Botte en cuir. Alors du coup, il y en a qui vont arriver par là aussi. Venez là les gars. Ah non. Sûr qu'il y en aura. Ah sinon c'est con. Et sur là. Pas mal de bruit, mais pour pas grand chose au final. Exactement, tout va bien se passer. Mais tu peux viser des fois, quand t'as vu.
Non mais, je rêve. Quoi ? T'as un souci ? Putain. Je suis avec vous. Non, je dis on touche pas à mes marchands, on touche pas à mes marchands, c'est tout. Les gars, ils comprennent rien, quoi. Oh là là là. Bon, je vais pas aller au temple. Jeune marchand novice. Ils sont où ces bandits ? Ok. Là, il y en a trois. Pas lui ! Lui ! Voilà. Laissez mes marchands tranquilles ! Bordel de cul ! Allez là ! Ouais, je t'ai pas eu, toi. Ouais ! Oui, sûrement. Mais si vous arrêtez pas de faire de la merde, on va mettre plus longtemps que ça. Hein. Pour sûr. Bon, on va manger une petite pomme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas récupérer cette armure, elle a l'air cool. Tristesse. Normalement, il y a un bordel dans le coin aussi. C'est l'une de ces étranges pierres. On dit quoi ? Une maison des plaisirs ? Pour être plus... Tant pis. Je veux dire un truc, mais... Plus longtemps on restera ici, mieux ce mais je ne sais plus comment ça s'appelle, donc c'est pas grave. Hache d'acier, c'est pas exactement ce que j'ai sur le dos, ça. Par hasard. Ouais, je prendrais bien une petite armure, là, en fait. Bonjour, éventuellement. Hey, ça faisait une belle, non ? Je sais. Qu'est-ce que j'ai là ? Une fiole de résurrection. C'est sûr que nous nous reverrons. On y va ? Ah, ça y est, vous avez repris de la vie ? Cool. Cool. Il n'y a pas d'autres... D'autres nous coffres ? Un bon groupe de marchands. On devrait faire du commerce, pas risquer notre vie. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a à me vendre, lui ? Acheter. Arme. Arme de mêlée. Oh putain, je peux déjà acheter des trucs d'obsidienne ? C'est abusé, ça. Peut-être que je vais le prendre. Hein. L'obsidienne, c'est quand même cool. Alors. Fendoir d'obsidienne. Dégâts 82, 75, 60. Franchement, pourquoi je ne prendrais pas un petit fond noir là. Et je vais vendre ce truc qui ne me sert à rien. Du genre ceci. Et ceci. Et voilà. Et je peux même m'acheter des vêtements, un petit peu d'armure peut-être, éventuellement, ça pourrait m'être utile. Parce que là, c'est un peu la merde. Puis-je vous aider ? Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Vous pouvez faire un effort pour moi, c'est sympa, c'est bien. Ouais, bah écoute. Peut-être me prendre juste une potion de résurrection. Ouais, ça coûte cher. Quand même. Bon, ça, on s'en fout, donc c'est les vêtements que je voulais, ça doit être lui, du coup. Ça doit être lui, du coup. Acheter vêtements. Torse. Plastron de cuir noir. Bah oui, on va prendre ça, oui. Ça me paraît bien. Jambière de cuir noir. Exactement. Pied. Bottes de cuir noir. Là, on est habillé tout en cuir noir. Parce qu'on est des vilains, méchants, pas beaux. Ok, parfait. Darkwood est un endroit dangereux. Maintenant, habillons-nous comme il se doit. Hein ? Parce que là, c'est pas trop ça. Hein. Non. Vêtements. Ah ! Ça, je vais y arriver. Ouais, pas mal. Armes. Et on va prendre, bien sûr, bien entendu, le fendoir d'obsidienne. Sur lequel on va mettre une amélioration de flamme. Voilà. Très bien. Ah, bah bien mieux là. Bien mieux tout ça. Bien mieux. Bon, bah allons-y du coup. Maintenant que vous êtes chaud, moi aussi je suis chaud, tout le monde est chaud. On y va. Ok, je sens qu'il va y avoir des ennemis très vite. Très vite. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. Oui, mon multiplicateur de combat, ça va. Ça va, t'es calme. Ok. Préparez-vous ! Tu bouges pas !
Personne ne passe. Je suis derrière vous. Personne ne passe. Ok, c'est bon, ils sont pas passés. Parfait. Ah bah voilà. Là, c'est bien mieux, là. Beaucoup plus de dégâts. Là, on est bien. Vous d'abord. Là, ça me plaît. Ah là là là. J'ai bien fait d'économiser toute ma thune, dis donc. Ok, j'ai juste tué lui, là, parce que les archers, ils me cassent les couilles, franchement. Vas-y, viens là. Arrête de bouger. Putain. Allez, allez. Je ne sais pas pour vous, mais je me contenterai de commerce local. Allez, hop. Toi, tu meurs aussi. Quand je dis tu meurs, c'est que tu meurs, en fait. Toi, tu meurs. Et toi, tu meurs aussi. Voilà, parfait. Bah voilà. Quand on a des bonnes armes, ça marche beaucoup mieux aussi. Décide-toi. En train de brûler mon expérience, toi. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Ça marche beaucoup mieux. Et des petits hops pour le fun. On va bien sûr commencer par les attaques à distance, toujours. Hein. Enfin, encore une fois, les résurrections, il y en a plein, sérieux. Il est où ce con? Est-ce que je peux te toucher ou est-ce que tu vas bouger dans tous les sens encore pendant une demi-heure? Mais vas-y, mais reviens ici, ce genre, d'où tu te caches derrière un rocher là. Je ne sais pas pour vous, ah, voilà. Mais je me contenterai de commerce local maintenant. Putain, je l'ai tué en un coup maintenant. Ben voilà. Non mais écoutez, c'est quand même beaucoup mieux. On va pas se le cacher. J'arrive pas à croire que j'ai trouvé une fin d'or de piscine aussitôt dans le jeu. C'est fou. Ça, c'est fou. Mais c'est cool. Du coup. On va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Cette eau m'a l'air tout à fait insalubre. Nous y sommes presque. Y'a pas les trucs par là-bas? Loin maintenant. Si, y'a un petit coffre. Mais c'est un cul-de-sac. On ne sortira jamais de ces bois. On va mourir. Restez avec moi déjà de base et vous allez pas mourir. Amélioration de foudre, est-ce que je lui mets une petite amélioration de foudre aussi ou non? Carotte dorée. Je ne reconnais pas cet endroit. Oui, c'est pas grave. On est perdu. Mais non, on et ils sont chiants hein, franchement. Ils pourraient pas se la fermer deux secondes et. Et genre me faire confiance, non, c'est pas possible. Putain, marchand de merde. Bon, un petit troll. Petit troll des familles. Je vais y aller. Qu'est-ce que wow, c'est? Wow. Quoi que ce soit, ce calme. Sont de mauvaises nouvelles. Calme. Je vais t'avoir comme ça, mon gros. Tu m'excuseras, mais. J'ai pas forcément envie de galérer à me prendre des rochers dans la tronche. Alors que je peux juste te tuer à l'arc de façon très simple. La 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 la. Passionnant. Combat des plus passionnants. Là, je te finirai à l'épée parce que je suis gentil. En attendant, j'augmente mon multiplicateur de combat. Jusqu'à ce que tu aies à peu près plus de vie et que je puisse te finir de manière plutôt tranquille. Ouais, je suis un adepte des multiplicateurs de combat. Merci, l'ami. Ah, quel combat passionnant. On aime les combats passionnants comme ça. Non! Putain, j'ai perdu tout mon multiplicateur, tout ça parce que j'ai voulu faire le fifou là. Tiens. Voilà. Excellent. Ah ouais? Comment je te crois pas? Un rubis! Je suis avec vous. Cool! Ça coûte chier les rubis. Nice. Est-ce que j'y suis presque là ou pas? Hein? Barrowfields. Eh ben voilà, nickel. Ça s'est plutôt bien passé du coup. Barrowfields. Je connais le chemin. Suivez-moi. Moi aussi je connais le chemin. Tu sais, j'ai une map. Ça sert à ça. Suivez-moi. C'est plus vite. Allez, salut. Deux secondes. D'abord, je vais faire deux trois trucs et je reviens, ok? Oula, l'ambiance a changé d'un coup, dis donc. Ah merde. Mais j'ai dit rester. Ah, merci. Putain. Mais j'allais pas non plus annuler tout ce que je viens de faire juste parce que je voulais aller là-bas. Et ça avait l'air cool. C'est plus vite. Oui, ça va, ça va. Deux secondes, je récupère tout ce que je peux récupérer, moi. Tu m'as pris pour qui, là? Un saphir. Bah, on va être riche, là, avec tout ce qu'on a trouvé, disons.
C'est nice. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois que lui, il veut genre que je mange du tofu. Un autre aventurier osseux qui votre carrure de crevette ne m'intéresse pas. Allez vous remplir. Il faut être genre méga musclé. Ah, du gras. Ah non, il faut être gros. Ne te soucie pas du regard des autres. Fais-toi plaisir. Grande bière. Mangez bien. Vous soyez le bienvenu. Ok, bah vas-y. Après, je vais m'acheter plein de bouffe, genre plein de viande, plein de bière et tout. Je vais tout bouffer devant lui et normalement, ça devrait s'ouvrir. Après, je sais pas du tout ce que je vais trouver. Je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave. Nous y sommes. Salut gros. Vous voilà enfin. Eh oui. Nous vous attendions. Eh oui. Ah oui, pardon. Faut que je clique pour passer. Eh ben c'est parfait. J'ai réussi à faire réussi. J'ai réussi ma quête de renom. Excellent. Au final, voilà, tout s'est très bien passé. Et avec un fendoir d'obsidienne, c'était quand même encore beaucoup plus pratique. Il se trouve dans la taverne d'Ogval. Ça sent le tuer. Vous recevez une nouvelle quête. Ouais, cool. Vas-y, on va aller parler à, on va aller à Barrowfield. Je crois que c'est la ville où il y a. Ah non, ben voilà, je savais bien qu'on était à Ogval. Voilà, je suis pas fou. Tiens, j'ai eu peur quoi. De retour dans ma ville natale. Ah, oh, c'est beau. Trop d'émotions. C'est qui ça? C'est la meuf avec son ours. Je me souviens de toi. Nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps? Ah mon dieu. Tu te souviens de moi, non? Je cherchais Rosine, mon ours en peluche, juste avant l'attaque. Mmh. Depuis ce jour, mes parents se sont installés à Bowerstone. Mais je ne m'y suis jamais cru. Tu vas bien? Pas trop là. Disons que j'ai quelques visions. J'ai cru que t'étais ailleurs. Bon, il faut que j'y aille. Mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut. Ok, salut. Tu veux pas coucher avec moi? On fait des enfants. Vas-y. Et vas-y, reviens. On achète une maison. Bon, et voilà. Du coup, comme je disais, je suis mort plein de fois. Et du coup, j'ai plein de cicatrices sur la gueule. Je vais être magnifique. À la fin de ce jeu, je le sens. Voilà. Je pensais que tu étais trop célèbre pour te montrer ici. Trop célèbre, ça va, j'ai fait deux missions quand même. J'ai bien peur de ne pas en savoir plus sur ta sœur et je ne peux rien faire de plus. L'espoir demeure. Une prophétesse aveugle vit avec le clan de l'âme. Ah oui, c'est ça. Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta sœur. Eh, vous allez voir. Eh. La prophétesse conseille le roi bandit. Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. Eh, je vais peut-être les rejoindre. De l'âme. Hein. C'était un héros autrefois, un véritable géant. Mais il ne supportait plus la guilde. Il l'a quittée et a uni une douzaine de clans de bandits. Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. Voilà ta chance de te venger. Leur camp ne doit pas être trop loin d'Ogval. Le village est souvent attaqué. J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails. Très bien, gros. Et c'est sur ce que je vais vous laisser là avec mon petit bonhomme. Qui a quand même commence à avoir une petite dégaine, hein, on va pas se mentir. Il a l'air déjà un peu pas mal. Bon, quand j'ai augmenté ma force, encore plus, il va devenir plus stock, mais voilà, pour l'instant, c'est bon. Et j'ai pas mal de vie aussi, c'est cool. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure, et d'ici là, portez-vous bien. Ah, ciao, bonsoir.